Il est peu probable que la nouvelle émission Netflix de Meghan Markle, nommée Pearl, ait une forte audience parmi son marché cible pour les enfants, car les sujets qu'elle couvrira sont trop dignes, a expliqué un commentateur royal. La rédactrice en chef du journal Mail on Sunday, Charlotte Griffiths, a qualifié la nouvelle série Netflix de Meghan Markle, Pearl, de trop digne après l'annonce du développement de l'émission d'animation. Madame Griffiths a également examiné les travaux antérieurs de Meghan et a attaqué son premier livre pour enfants. The Bench, comme ayant une si mauvaise grammaire qu'elle ne voulait pas que son enfant de 2 ans le lise. Le journaliste a livré la conclusion accablante que bien que les enfants aient accès à des livres et à des travaux quasi politiques et dignes, ils sont finalement impopulaires, comme le dit Pearl tombera inévitablement dans cette catégorie. S'exprimant sur Palace Confidential, Madame Griffiths est apparue dans le panel pour discuter du nouveau spectacle animé de la Duchesse de Sussex. Le cinéaste et mari d'Elton John, David Furnish, est impliqué dans le projet qui en serait au premier stade de développement. Elton John, qui est un ami proche des Sussex, pourrait prêter main forte à la production car il a aidé avec les films précédents de Monsieur Furnish. L'émission se concentrera sur une jeune fille de 12 ans qui est inspirée par des femmes célèbres de l'histoire. Dans un communiqué de presse, Meghan a déclaré « Comme beaucoup de filles de son âge, notre héroïne Pearl est en quête de soi alors qu'elle essaie de surmonter les défis quotidiens de la vie. Je suis ravi qu'Archewell Productions, en partenariat avec la plateforme puissante de Netflix, et ses incroyables producteurs, vous propose cette nouvelle série animée, qui célèbre les femmes extraordinaires à travers l'histoire. » Madame Griffiths a commenté l'émission et a déclaré « J'ai 2 jeunes filles et elles ont des livres sur les icônes féministes de l'histoire. C'est donc une chose dans le monde des enfants. »